On dit que quoi? Il y a un footballeur là, un petit footballeur qu'on ne connaît même pas son nom, qui vectorise qui? Il vectorise papa. c'est terrible, hein? C'est terrible vraiment. Hein? Les enfants comme ça là. Quelqu'un mène le combat que vous devez mener à votre position. Tu viens lui dire, tu n'as plus utilisé ton image. Regardez-moi, un footballeur à deux balles comme ça là. le monde est à l'envers. Le régime de bien. Ce régime fait peur à tout le monde. C'est-à-dire que chacun a peur. Hein, chacun a peur. Chacun a peur. petit frère, tu veux ta place dans l'équipe nationale. Hein? Non, petit frère, ta place n'est pas assurée. Mm-hmm. Personne n'a sa place assurée là-bas. Regardez-moi les enfants comme ça là. Jusqu'à tu demandes à tes avocats d'interpeller le général Vassero. De ne plus utiliser ton image. Quelqu'un qui a acheté son maillot. Donc il achète un maillot pour célébrer un bootman comme toi. Toi, tu mérites même que. Tu mérites même que Vassero te cite même. Ça nous sert de leçon, les gars. Moi j'ai dit, il y a des gens que je ne gère plus. Parce qu'ils n'ont pas le niveau de compréhension. Arrêtez de considérer les gens. Arrêtez de considérer les gens. Ok? Arrêtez de considérer les gens parce qu'ils sont célèbres. Non, 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 arrêtez ça. Ils n'ont pas la compréhension. Ils n'ont pas de compréhension. Il y a beaucoup de personnes là qu'on veut célébrer alors qu'ils n'ont pas le niveau. Mais oui. Mais oui, incroyable. Le monde est à l'envers. C'est bizarre quand même. Hein? Regardez-moi un enfant comme ça là. Tu as connu Ndongo. La même vague là avec les autres, les Ando Nana. Vassero appelle le nom de André Onana. Chaque jour, en bien ou en mal, il ferme sa gueule. Il n'a jamais dit que, s'il vous plaît, monsieur, stoppez de m'interpeller. Regardez-moi un enfant comme ça, là. Tu joues dans un petit club, c'est OM, Olympique de Marseille. André Onana joue dans le Manchester. Il signe des gros contrats. On appelle son nom chaque jour. C'est parce que tu ne vaux même rien là. Parce qu'en réalité, tous les activistes doivent acheter tes maillots là. On piétine. Co numéro 14. Regarde d'abord le numéro de quelqu'un. 14. Quel grand joueur le numéro 14. Joue à deux balles comme ça là. Tu n'as pas longue carrière. Petit salopard. Qui t'a mon conseil? Tu n'as pas longue carrière. Quand quelqu'un mène un combat qui est au-dessus de sa personne, il mérite le respect. Soit tu fermes ta gueule. Hein? Soit tu fermes ta gueule. Chaque jour, il interpelle. Samuel Eto'o, Francis Ngannou, plusieurs personnes, tous les jours on les interpelle ici là. Ils n'ont jamais demandé à nos avocats, ils n'ont jamais demandé à leur avocat de notifier quelqu'un chaque jour. Hein? Il y a des gens ici que nous on interpelle, qui nous connaissent en vrai dans la vraie vie. Ils ne nous notifient pas par les avocats. Mais toi, un joueur à deux balles qui vient de commencer une petite carrière. Tu veux déjà jouer au grand, jusqu'à tu notifies le général Vassero. Ah, le monde est à l'envers. vous croyez que vous êtes épargné? Ah bon? Voilà des gens. Mais rappelle-toi de ce qui est en train d'arriver à Ayana Kamora. Tu vois ce qui arrive à Ayana Kamora, non? Là, c'est parce que vous mangez un peu, vous êtes plein. Pendant ce temps, les Vassero se sacrifient. Les Mbanga Diaspora se sacrifient. Les Sandy de Boston se sacrifient pour le Cameroun. Les Longuet se sacrifient. Le grand Richard Bona se sacrifie. La légende de Richard Bona. Les Carrettes Fosso. Les Lady Pons. Et plusieurs autres se sacrifient pour le Cameroun. Comme toi, tu penses que tu es épargné parce que tu as ta petite position dans l'OM. Et comme tu es un carriériste, tu veux jouer dans l'équipe nationale, mon ami, ce pays sera à refaire. Et le moment viendra, il ne suffira pas seulement de connaître jouer. Il faudra aussi qu'on sache ta moralité pour que tu joues. Est-ce que tu peux défendre la République au moment opportun? La République est en train de souffrir. Tu es originaire d'un pays où il y a la guerre dans le nozo. Mais tu as le courage de notifier. Qui t'a conseillé? Qui t'a conseillé toi là?
Ce petit joueur à 2 balles que vous ne connaissez même pas son nom. Vous dites que vous ne voulez pas le buzz. Mais c'est un buzz. Moi, je ne te connaissais pas. Ouais, je vais chercher ton nom. Je ne te connaissais pas. Les joueurs à 2 balles comme ça. Regardez-moi les joueurs. Les joueurs à 2 balles comme ça là. Ils savaient même qui est là. Regardez, je ne connais pas son nom. Hein? C'est Faris. Regardez-moi un peu les joueurs à 2 balles. Écoutons ce qu'il a écrit là-bas. Gaston Abbé. Courrier officiel. Avocat. Tac, 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 tac. Avocat au barreau de Paris. On n'en a rien à foutre. Tu te comportes comme un esclavagiste. Petit Tintin. Ton frère défend les bonnes causes. Causes nobles. Hein? Toi, au lieu de fermer ta gueule, chaque jour il interpelle le prédateur, le Camerounais le plus connu, l'Africain actuellement le plus connu du monde, c'est Francis Ngannou. Tous les jours il interpelle. Il n'a pas notifié parce qu'il respecte le combat qu'il mène, même comme beaucoup font semblant. Mais toi, comme tu veux montrer que tu es courageux, parce que tu penses que ta place est déjà assurée dans l'équipe nationale, souviens-toi. Hein? De Ndongo. Ndongo a même joué avec les Lionel Messi. Ndongo, c'est un petit de Mbanga. Ndongo, c'est un petit de Mbanga. Il a joué avec les Lionel Messi. Aujourd'hui, on ne connaît plus là où il est. Petit Tintin que tu sois. Cher monsieur Abbé, nous vous écrivons en qualité d'avocat de monsieur Faris. Monsieur Faris Pemi Mumbanya. Regardez le nom de quelqu'un, c'est Mbanya, qui nous a mandaté dans le prolongement de vos différentes publications sur les réseaux sociaux, notamment XX et Facebook, en date du 17 mars 2024, dans lesquelles vous utilisez le nom de notre client sans que ce dernier ne vous ait pourtant donné une quelconque autorisation en ce genre. Regardez-moi les gens comme ça là. Regardez-moi les gens comme ça là. Et tu t'es dit joueur. Mais vous êtes même cultivé là. Regardez les gens mal éduqués comme ça là. Les gens qui, peu de culture. Regardez-moi quelqu'un qui joue dans une équipe comme l'OM. On sent. Tout n'est que dans les pieds. Il n'y a rien dans la tête. Tête vide que tu sois. Regardez-moi celui-là. Est-ce qu'on a besoin de ton avis pour appeler ton nom quand tu es un personnage public? C'est moi, Vassilo, j'appelle et tu ne dois rien faire. Allô, Manso. Regarde les gens comme ça là-même. Que Pemi, Boutman, mais son gros Manso. Nous vous informons par la présence de notre client qui ne vous connaît pas et ne vous a jamais rencontré. Refuse fort. Fermement que son image et son nom puissent être associés directement ou indirectement à la vôtre. Regardez-moi celui-là. Regardez-moi celui-là. Toi, tu es une team, toi. Hein? En qualité, en votre qualité de personnalité publique, nous vous demandons de ne plus utiliser à l'avenir le nom et ou l'image de monsieur Faris Pemi, regardez-moi celui-là, lui, ils sont Wowo Manso, hein, dans votre prochaine publication ou dans autres supports, quel qu'il soit, regardez-moi les gens comme ça, avocat, d'abord son nom, ne sert à rien, regardez-moi les gens comme ça, qui te conseille même? Les journalistes français vous insultent chaque jour. Voilà comme on a dit à l'autre qu'il a la tête comme le truc. Il ne va rien faire. Il a porté plainte. Au contraire, il rend celui-là star. Je me dis même que c'est le buzz. Regardez-moi l'homme africain. Toujours en train de se comporter comme quand les journalistes vous insultent, vous méprisent, vous ne parlez pas. Au lieu de fermer tes yeux, dors. Petit salopard, ton frère te célèbre. Il achète ton maillot. Il te célèbre, regarde-moi celui-là. Parce que tu regardes ta part, l'individualisme. Regardez-moi les gens comme ça là. Je dis que le Cameroun va changer. Il ne suffira pas seulement de connaître jouer. On a aussi besoin des gens qui ont la tête. Parce qu'il ne faut pas tout réduire dans tes pieds là.
joue au ballon. Si tu n'as rien dans ta tête, tu ne vaux rien. Regardez-moi les gens comme ça là. Vous sentez les gens qui ne peuvent pas lutter pour la cause de quelqu'un d'autre. Oui. Voilà Andrew Nana, tous les jours, on appelle son nom. Oui. Voilà quelqu'un qui est en train de vous sauver. Il est en train de dire non. Là où on veut le bénir. Là on veut lui dire qu'il n'est rien. Il dit que je suis là. Oui. Tu as arrêté ma main hier, Samuel et tout. Mais je te dis non. C'est clair. C'est parce que tu as aidé quelqu'un que tu as le droit de vie et de mort sur lui. Arrêtez-moi ça. Que c'est l'ingratitude. Ah bon? Ah. Donc parce que quelqu'un t'a aidé hier. Hein? Mon ami, c'est du business. C'est du business. Voilà. Il fallait qu'il aide ses frères. Pourquoi il n'a pas aidé ses frères à jouer aussi là-bas? Quand tu aides quelqu'un qui réussit, il faut comprendre aussi qu'il y a la main de Dieu dedans. Et que cette personne a la volonté, il a le talent. Sinon, toute sa famille devait être des footballeurs. Où sont ses frères? Où sont ses frères? Ils n'ont pas essayé de jouer. Où sont ses propres enfants? Donc, respectez les gens. Hein. Respectez les efforts des autres. Hein. Regardez-moi les gens comme ça là-même. Général Vassero, il y a des gens qu'il ne faut plus gérer. C'est des petits incultes qui ne connaissent rien d'abord. Hein? Ce qu'ils savaient, c'est Faris, un peu mis. Regardez-moi celui-là. Qui demande qu'on utilise plus son image. Général Vassero. Quand j'ai vu là, il a 23 ans. Regardez-moi celui-là. Quand Vassero défendait les causes du pays, là, tu étais quoi? Tu te mettais dans un lycée là-bas quelque part. Tu dansais. Regardez-moi comme ça. Regardez. La République des inconscients. Même quand on joue dans l'OM, on est bête. Tu sais même ce que tu as fait là. Va te coûter trop cher, petit frère. Qui t'a conseillé même? Qui t'a même conseillé? Ça va te coûter trop cher. Trop cher. Il dit que ça va te coûter trop cher. On n'est pas ici dans une affaire de parti. On n'est pas ici dans une affaire de parti. Ce n'est pas une affaire de politique. Il y a des gens, quand ils appellent ton nom, quand il est activiste, mon frère, tu fermes tes yeux, tu passes ta route. Tu n'as pas besoin de ça. Il n'avait pas besoin de ça. Ce qui est sûr, c'est que rien n'est éternel. Ce régime va tomber. Attends, n'est pas hier, c'était à Idjo. Aujourd'hui, c'est Paul Biano. Une autre personne va venir. Oui. Et ceux-là, aujourd'hui, qu'on acclame, là, les Issa Tirouma, ils étaient en prison. Hein. Ils étaient en prison. Aujourd'hui, ils sont les bas ministres. Mais oui, il y a certains qui n'étaient rien dans le régime de Aïdjo. Aujourd'hui, ils sont les tout-puissants. La vie, c'est comme ça. Faites attention. Mais oui, 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 oui. C'est clair. Faites beaucoup attention. On ne vous a pas dit que même Paul Biya qui est là comme ça, là. C'est trop de soumission qu'il a fait. Il est là où il est aujourd'hui. On dit qu'on l'avait même giflé. Elle dit qu'il y avait un tout-puissant là. Hein, qu'il a giflé. Voilà. Elle a dit que, ah, où me giflez, j'ai fait quoi, non? Le voilà aujourd'hui. Donc, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un est là à critiquer le système. Le système qui vous a fait fuir pour aller jouer ailleurs. Si au Cameroun était bien là, ce que vous tous là, vous exercez au Cameroun. Ce que personne ne nous est sorti. Si le Cameroun était un vrai pays. Regardez-moi les gens qui vont profiter ailleurs. Vous n'avez pas honte. On vous a dit que c'est encore à la mode. Laisser son pays pour aller montrer ailleurs que tu es champion. Attendez, mais il faut avoir honte aujourd'hui. Parce que tous les peuples se battent pour être champions chez eux. Pour avoir le bien-être chez eux. Donc tu devais fermer ta gueule. Parce que tu n'atteins même pas la cheville de Richard Bona. Tu es qui? Regardez-moi les yéyés comme ça là. Hein? Les yéyés comme ça là. Oh, vraiment, c'est bizarre. Hein? Général Vassero, un conseil. Il y a les gens qu'il faut éviter. Non, ils n'ont rien dans la tête. J'ai tout dit ça. C'est pas parce que quelqu'un est célèbre. Depuis longtemps, je n'ai jamais vu ces gens. Beaucoup d'artistes étaient mes amis. Certains comédiens étaient mes amis. Mais avec le temps, j'ai compris qu'on n'a rien à se partager. Quand on mène un combat qu'on mène là, on n'est plus là pour célébrer les gens. Parce que ça donne le zèle à certaines personnes d'avoir l'audace de nous manquer le respect. Pour pas être un gars qui te bat depuis les années pour le changement dans le pays. Les gens comme ça n'étaient même pas encore nés. Quand tu écrivais lettre au président, ce sont ses parents qui peuvent parler de toi. Ce sont ses parents à lui qui peuvent lui dire qui est Vassero. Il était encore bébé comme ça là. Aujourd'hui, tu lui donnes l'opportunité de te parler. Il y a des gens qu'il ne faut pas gérer.
Parce que s'ils comprenaient au moins ta valeur, ce qui ne peut même pas te répondre. Ce qui ne peut même pas te répondre. Tous les jours, tu critiques Samuel Eto'o. Est-ce qu'il t'a signifié une quelconque lettre, une notification? Les Francine Gano tous les jours. Et les autres n'en passent. Voilà le jeune Andro Nana. Tous les jours, si on connaît ce qu'il subit, tu penses que tu es en sécurité, permis. Mais c'est Fabrice, permis. Tu penses que tu es en sécurité. Le moment viendra. Viens, on t'attend au Cameroun. Tu donnes comme ça la force aux prédateurs de ta vallée. Regardez-moi un toko, un tota, un toka comme ça là. Les gens qui ne sont même pas stratèges. Tu connais ton pays là. Rien n'est normal là-bas. Qui t'a conseillé? Tu restes calme dans ton coin. Rien n'est normal là-bas. C'est qu'on va te piétiner là-bas. Tu vas lire. Je sais qu'il faut sacrifier les autres pour avoir sa place ailleurs. Mais fais attention. L'Africain n'a rien compris. Oui. Il y a des sujets que parfois tu vois, tu fermes ta gueule. Tu es au milieu. Est-ce qu'on vous a la vie ensemble? C'est en te déchargeant ou bien c'est en l'envoyant une notification qui va faire quoi? Hein? Une notification. Mais quand tu vas aller subir les injustices là-bas, hein? Le moment viendra. Quand tu vas subir les injustices là-bas, tu seras au carrefour toi seul. Tu seras au carrefour toi seul. Vous êtes nombreux, non? Vous êtes nombreux. Il y a le petit frère de homme qui m'a appelé récemment. Vraiment grave, voilà. Il voulait m'envoyer l'argent. J'ai dit que mon frère, quitte là. Quitte. Quitte. Non, il faut parler de comme ça. Parler. On parle quoi? Bande d'imbéciles. On est au courant de tout ça. Non, tu veux te décharger. Non, je ne le connais pas. Pour assurer ta place dans l'équipe nationale. Ça ne se passe pas comme ça là. Tu donnes la force à ton futur ennemi maintenant de t'écraser parce que tu n'as plus d'issue. Qui va encore parler pour toi? Aujourd'hui, nous sommes la voix des sans voix. Même le système a besoin de nous. Si vous ne connaissez pas ça, il dit que même le régime là a besoin de nous. Vous ne comprenez pas ça? Vous ne connaissez pas ça? Il dit que même le régime a besoin de nous. Voilà. Vous croyez que les informations là, ça sort selon nous. C'est entre eux là-bas. L'autre envoie. Vous avez compris, non? Donc faites beaucoup attention. Manque de maturité. Et je vous ai dit, c'est parce que tu es trop léger. Achète même ton maillot, pourquoi? Il y a quelqu'un qui achète son maillot pour célébrer un petit frère du Cameroun, voilà, qui est confiné dans un club, voilà, qui te connaît même d'abord. Te connais pas encore, on s'en fout de toi. Ce n'est, messieurs les activistes, ce n'est plus l'heure de célébrer certaines personnes parce qu'ils jouent bien au ballon, parce qu'ils chantent bien. Chante tes histoires. Si tu ne mènes pas un combat noble, tout est politique, on s'en fout de toi. Voilà un garçon comme Andro Nana, c'est l'enfant de Dieu. Je connais le mari d'une femme qui est au Cameroun tous les fins du mois. Il est technicien des hôpitaux, des appareils des hôpitaux. Il dit qu'il est au Cameroun tous les mois, au compte de Andro Nana, pour faire les dons. Andro Nana, que vous voyez là, c'est un garçon très bien, un garçon humble. Un garçon humble qu'on veut détruire. Il dit, niet, c'est l'enfant de Dieu, rien ne peut l'arriver. Le garçon a fait les dons, hein. Andro Nana fait les dons, hein. Mais c'est qu'il est dans son, il est dans l'ombre. Je dis bien que je connais, j'ai une femme là. Son mari est tous les mois au Cameroun. Elle va 3 mois, elle va 4 mois pour aller arranger les appareils. Andro Nana envoie les techniciens, les médecins pour soigner les gens, opérer les gens. On parle de lui chaque jour, il ne dit rien, il est dans son coin. Et Francine Gano, on parle d'eux. Et Samuel Eto'o, on parle d'eux. Peut-être que tu pouvais répondre lors d'une interview. Tu as ta page, non? Tu n'as pas fait la notification. Tu connais trop. Regardez-moi comme les gens comme ça là. Il y a des gens qui se comportent comme les esclaves de maison. Regardez-moi les gens comme ça là. Ah, j'ai pris mes réserves avec certaines personnes. J'ai pris mes distances avec certaines personnes. Voilà. C'est un grand footballeur. Hey, vous fichez le camp avec ça. Un grand footballeur qui ne défend pas les bonnes causes. Les causes nobles n'est rien. Tu te limites à ça. Tu es un grand footballeur et puis quoi? Si tu ne peux pas sauver quelqu'un,
avec ta position, tu n'es rien. Tu n'es rien. Ok? Mohamed Ali n'est pas célèbre parce qu'il était un grand boxeur. C'est parce qu'il a dit non d'aller à la guerre. Pour la formation militaire, il a dit tu ne pars pas. En une coup. Maoudoundje. Et que papa va aller tuer les innocents, pourquoi? Pourquoi je vais participer à tuer les innocents? Il faut renoncer. Il n'y a pas un grand dans ce monde. Il n'y a pas un grand dans ce monde. Quelqu'un de célèbre qui n'a pas mené. On n'est pas célèbre tant qu'on ne mène pas les grands combats. Les combats pour les plus faibles. Oui. Au profit des plus faibles, des plus démunis. C'est comme ça. Nelson Mandela est célèbre. Les Gandhi sont les personnes célèbres. Toutes les personnes célèbres ont mené les causes justes. Voilà. On dénonçait les injustices. Donc, Valcero, il faut ignorer certaines personnes. Arrêtons ça. Ce n'est pas là qu'on va s'amuser. Concentrons-nous. 2025. Les gens comme ça, là, comme dit souvent quelqu'un, ils te donnent la honte. Ils ne méritent même pas. Qu'il ne m'a jamais vu. Tu mérites même que Valcero te rencontre. Vous rêvez même. On va vouloir parler, on va dire que non, c'est... Non. Vous parlez des gens parce qu'ils ont l'argent. Mais lui, il est qui? Il est qui? La vie, c'est l'histoire. Son histoire, c'est quoi? Regardez-moi les gens comme ça, là. La petite maison de Lapiro est là-bas en Banga. C'est une petite maison comme ça, là. Mais Lapiro est grande comme ça, là. Hein? Vous avez compris? Les bons malins n'avaient pas l'argent. Mais leur histoire est grande comme ça. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ça? Les Mandela n'avaient pas d'argent. On les a pris mettre en prison, 27 ans de prison. Mais leur histoire est grande comme ça, là. Regardez-moi les gens comme ça, là. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Voilà le grand Richard Bona. Le nom est grand comme ça là. Mais il se donne pour les causes justes. Un petit footballeur à deux balles comme ça là. Regardez-moi ça. C'est une grâce pour toi que. Dis, Valcero, il faut jeter là. Il faut jeter le maillot là. C'est à quoi? Si ce n'était pas ça, moi, pour te connaître. Je te connais, toi, tu es qui? Footballeur. Ça l'a construit quel pays? Qu'est-ce que tu choques avec ça? Footballeur à deux balles comme ça là. Alors, footballeur. Voilà la petite fille là. Et non, ouais, c'est Ongene. Ongene, la jeune fille là. Elle a marqué le but. Elle a dit que. Elle a dit hommage à Bankolo. Hommage à Bankolo. Toi, tu peux faire ça. Les petits profiteurs. Les carriéristes. Hein? Les carriéristes, vous voulez protéger quelque chose que bientôt, d'ici 30 ans, 35 ans, on ne doit plus parler de vous. Tu n'es même pas sûr de continuer. Tu es sûr d'arriver loin. Il faut avoir un cœur pur. Hein? Parce que toi, à ton jeune âge, tu poses des actes comme ça là. Ton cœur n'est pas pur. Qui t'a conseillé même? À ton jeune âge là, tu poses des actes pareils. Tu n'as pas longue route. Tu n'as pas longue route. Parce que quand on a longue route, mon ami, on est dans la discrétion. Oui, quand on a longue route, on s'en fout de certaines choses. Ah, le grand l'appelle mon nom. Oh, il a acheté ton maillot. C'est toi qui lui as donné ça. Vous pouvez lui faire quoi? Les Kylian Mbappé, on lave, on les suit chaque jour en France. Toi, tu le vois, il ne dit rien. Il s'en fout. L'autre jour, il s'est permis de porter plainte, mais c'est à qui là? Mon ami, il le rend encore star. Il le rend star et c'est ce qu'il veut, c'est le buzz. Peut-être tu as voulu créer un buzz, je ne sais pas. Peut-être tu vas voulu te faire connaître parce que beaucoup de Camerounais ne te connaissent pas. Moi, je ne te connais pas. Voilà, je ne te connais pas. Non, vraiment, je ne le connais pas. Connais-moi. Je ne le connais pas. Oh, les gens comme ça. Gens qui ont les petits avec le gros cœur. Parce que tu te permets de dire qu'il ne faut plus qu'il m'aille. Il cause son image à toi, ni ton nom, tout et tout. Toi, tu es qui même? Qui te connaît? Les gens comme ça. Oh, les gens que, comme ça, que les journalistes. Hein? Et tu vas voir les gens comme ça là que les journalistes français insultent, ils lavent, ils ne font rien. Hein? Oui, oui. Mais ton frère a acheté ton maillot. Il n'a pas mal parlé de toi. Vous avez vu ça? Qui vous a un conseil là? Même les politiciens ont besoin de ça. Les politiciens ont besoin qu'on les interpelle. On appelle parfois les noms. Vous savez pas ça?
Et là, c'est vous qui dites que vous êtes les footballeurs, vous êtes les personnages publics, vous êtes des stars. Et on appelle ton nom. Parce que ça te dérange. Tu vois pas les Kanye West qui bagarrent partout chaque jour. Les paparazzi le suivent jusqu'à dans sa chambre. Il se masque même, on le cherche partout. Il a notifié qui? Il a porté plainte à qui? Hein? Il t'a dit que il t'a porté plainte. Il dit, moi, Vassilo, je te pousse à l'erreur. Je continue à appeler ton nom. Et tu dois rien faire. Tu as fait quoi? Il est libre d'acheter tes maillots et nettoyer le sol avec sa chose. Il dit bien qu'il est libre d'acheter tes maillots là. Il nettoie le sol avec son argent. Tu as fait quoi? Dans les petits bancs de 2 balles comme ça là, petits garçons comme ça au thème, les enfants DJ ils deviennent au thème comme ça là. Tu as commencé ta carrière, tu es sûr que ton pied là va résister pour 10 ans, même pour 5 ans. Faites attention, hein. Voilà, ne vous attaquez pas aux œuvres de Dieu. Quand quelqu'un mène les œuvres de Dieu, il faut éviter. Voilà. Il faut utiliser beaucoup de sagesse, beaucoup de tact. Voilà. Si tu viens comme tu veux venir là, que oh, la force, que non, monsieur, veuillez arrêter d'appeler mon nom. Tu vas te buter très mal, petit. Il y a les joueurs qui ont commencé, ils n'ont pas fait 5 ans de carrière. Ils sont perdus. À cause des mauvaises intentions. Ouais. Des mauvaises intentions. Voilà. Même votre père Samuel Eto'o a parlé de lui. Mais en parabole, il a parlé ce qu'il pouvait parler. Il est parti. Voilà. Et toi, tu as l'audace. Voilà l'autre qui est devenu, mais c'est Bradley. Mais c'est Batoli. Mais c'est Kio. Mais c'est Kio. Les gens qui coupent même d'abord là, ils viennent emmerder les gens. Je vous ai dit qu'on a besoin même de vous même là. Le Cameroun n'a pas besoin de football actuellement là. Nous te payons trop de problèmes. Voilà. Nous te payons trop de problèmes. Parce que d'abord même les footballeurs ne sont pas cultivés. N'avaient rien dans votre cerveau. Voilà. Donc, nous sommes là maintenant. Pour le changement dans le Cameroun, pour le développement du pays. Voilà. Chaque jeune Camerounais qui mérite doit jouer sur place. Il sera bien rémunéré. Chacun va profiter de la vie au Cameroun. Donc on est concentré. Allez vous faire inscrire sur les listes électorales. Allez vous faire inscrire. Ce n'est pas le temps à la distraction. Vous voyez comment. Regardez les jeunes. C'est un jeune. Voilà un gars qui a déjà un peu réussi. Il manque son ventre et plein. Mais il oublie que le moment venu, on va lui rappeler qu'il n'est pas de là. Le moment venu, toi là, on va te rappeler que tu n'es pas de là. Toi, tu es qui en France par rapport à Yana Kamora, on est en train de lui rappeler à elle que tu n'es pas d'ici. Là, tu es frustré. Tu as besoin du soutien des gens. Tu es frustré. Mais demain là, voilà comme ça les preuves à conviction. Voilà. Te voilà qui t'attaque. Te voilà qui on appelle ça quoi là? Qui notifie un combattant des libertés. Ah oui, tu as l'audace, tu as le courage, parce qu'il a acheté ton maillot. Il n'a pas mal parlé de toi, il n'a pas fait une mauvaise publicité de toi. L'homme blanc va garder ça comme une preuve. Qui connaissait qu'on connaissait Douala, Wilfried Douala? Qui connaissait que le jour a fait un documentaire sur lui avant la CAN? Qui connaissait? Petit frère, tu as trop d'aim. Laisse. Mon ami, Vassero est là dedans. Ses deux pieds sont dedans. Tchungum. Donc, il dit qu'il n'a rien à perdre. C'est vous là, vous voulez protéger votre carrière. Ah bon? Au détriment de toutes les souffrances du monde entier. Vous vous en fichez. Vous voulez assurer votre place dans l'équipe nationale. Donc, pour cela, tout le monde va mourir, on s'en fout. Donc ça veut dire qu'il ne faut même pas que quelqu'un
qui essayait de critiquer le système, le régime. Ah, c'est ça qui est la vérité. Voilà. Donc ce monsieur veut dire que pardon. J'ai frayé mon petit chemin. Pardon. Grand frère, laisse-moi tranquille. Ne te mets pas sur mon chemin. Regardez-moi celui-là. Qui t'a mis un conseil? Qui t'a mis un conseil? Le moment venu là, ce sont tes mêmes gens-là, les journalistes là-bas, qui vont récupérer. Alors, tu penses que ça va s'arrêter au niveau des Camerounais, mais des Africains. Quand un jour tu as ton dossier, on va récupérer ta notification là. On va mettre ça à terre et ça va se retourner contre toi. Au lieu d'être muet, rester calme dans ton coin. Que quand j'ai ton maillot, il te célèbre. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Est-ce que tu as besoin de ça? Et tu vis là où? Là-bas, ça ne blague pas. Le moment venu, on va récupérer ça. Ok? La note que tu as envoyée là, on va récupérer ça. On va utiliser ça contre toi. Comment tu es un garçon de mauvaise moralité? Mais oui. Quelqu'un qui défend les causes des faibles. Mon ami, qui te connaisse ou pas, il a acheté ton maillot. Peut-être il t'a célébré. Mon ami, tu l'as envoyé mais comment? Qui n'utilise plus ton nom, ton image? Par rapport à quoi? Tu es qui? Hein? Tu es qui? Voilà l'autre qui écrit. Donc, quand les écrivains vont écrire sur toi là, va interdire. Voilà Samuel Eto'o qui a dit qu'il devait porter plainte. Qui porte plainte? Quand on dit que c'est bien, parfois là, on n'est pas allé à l'école, mais parfois là, il faut être même sage. Quand Dieu te refuse la sagesse et l'intelligence, tu es perdu. Voilà Jean Bruno Tagne, non? Que Samuel Eto'o pas porter plainte. On dit que c'est parce qu'on tape le ballon qu'on a quoi dans la tête. Bof, il n'avait rien dans la tête. Voilà, c'est même une faveur de la part de Valcero. Je vous jette pas. Vous c'est qui? Vous êtes qui? Ouf. Football a changé quel pays? Montrez-moi une nation que le football a changé. C'est des jeux de divertissement. Vous s'en foutez de ça. Voilà. Les Latinos sont les grands footballeurs. Regardez le pays là-bas. Ouf. Nous, on, oui, on est champion. Et puis quoi? Ça change la vie de qui? Ça change la vie d'un seul individu parmi les millions d'individus. Ça nous apporte quoi? Et à la fin même, on se rend même compte que c'était même vraiment les millions de dollars. Hein, que l'argent est tout fini. L'argent est tout fini. C'est vrai quoi? Un enfant de 23 ans. Au lieu d'être jeune, on dit que dans la vie, il faut être wise, man. Il faut être wise. La vie, il faut être wise. La vie, c'est le Shiba. Oui, c'est le Shiba. Alors? On vous dit que le pays là, ça va mal. L'homme africain, c'est l'individualisme. Dites-moi vous-même là. Vassero a dit quoi de mauvais? À l'égard de ce petit là. Vassero a dit quoi de mauvais à l'égard de ce petit là? Moi, j'ai vu le maillot un jour, j'ai vu la numéro 14, mais c'est quoi, Pémi? Mais je suis surpris que l'individu va sommer Vassero via ses avocats. Hein, tu sommes quelqu'un de ne plus utiliser ton nom. Un artiste engagé de ton pays. Non, ça montre que tu es un mauvais garçon, toi là. Ouais. Ça montre que le genre d'enfant là, c'est le genre de gars, le genre de garçon là, il te voit, il te méconnaît, le genre de garçon là. Ah ouais, ouais, ouais. Ça c'est le comportement des Camerounais qui ont réussi, qui ferment la voix aux autres. Je connais un comme ça là, il avait dit qu'il n'est pas un gars de Banga, alors que ses parents sont là au quartier 4. Ses parents sont au quartier 4. Sa femme, on ne connaît plus là où il est, on dit qu'il joue même en 4e division. La même génération avec les Andro Nana. Andro Nana devait aller loin dans la vie. On vous dit que Dieu ne récompense pas seulement vos efforts et vos talents. Dieu récompense aussi la pureté de votre cœur.
Ndongo, c'est la même génération avec Ando Nana. Où est Ndongo aujourd'hui? Il a disparu. Il pas dit à Equinox qu'il n'est pas un enfant de Mbanga. Un enfant qui portait les chaussures de mon petit poisson. Hmm? Il portait écolier, il portait les chaussures d'écolier, les sacs. Son père est professeur au lycée de Mbanga. Quartier 4 là-bas, derrière les rails. Il dit qu'il n'est pas un gars de Mbanga. La fin est là, non? Exactement. Quand tu ignores où tu viens. Ah oui. Tu as l'audace parce que tu as 5 francs via tes avocats. Regarde-moi celui-là. Hein? Tu sommes quelqu'un qui défend les causes que toi-même là. C'est la misère, la souffrance qu'on a créée là-bas qui t'a fait fuir. Il n'y a pas de club dans ton pays. Il n'y a pas de club dans ton pays. Si le Cameroun était mieux là, pourquoi tu ne joues pas là-bas? Vous oubliez là où vous venez. Tu n'as pas long, tu n'as pas longue route, petit frère. Wallahi, c'est moi qui te dis. Rappelez-moi cette date aujourd'hui là. Petit frère, tu n'as pas longue route. Nous sommes le 20 mars aujourd'hui, non? Tu n'as pas longue route. Je ne sais pas qui t'a conseillé. Je sais pas qui t'a même. Je sais pas ce que tu as même bu même. Qui t'a même dit même de sommer? Ah bon, si ce sont tes parents, non, laisse. Tu n'as pas longue route. Dans tout ça, tu es un personnage public. Qu'au personnage public, on parle de toi et ça fait problème. Donc quand tu achètes son maillot. Il présente ça, il te célèbre. Tu parles sommet. Hey, petit frère, tu es indemne. Non, tu es indemne, petit frère. Tu es indemne. Non, parce qu'on t'a dit que non, faut pas accepter qu'il appelle ton nom encore. Faut pas qu'il colle son image à toi. Sinon, on va te fermer dans l'équipe nationale. Mon ami. Pour te fermer dans l'équipe nationale, on n'a pas besoin des raisons. Ok? Pour te fermer dans l'équipe nationale, on n'a pas besoin des raisons là-bas. On a fermé les Andro Nana un matin, les Ngandu, juste parce qu'ils ont demandé au coach, au président de la FECAFOOT que, mais, président, vraiment, les jeunes n'étaient pas contents. Donc, l'erreur ne manque pas. On vous a dit que la place de personne n'est assurée là-bas. Donc chacun va que lire. Si tu peux faire tout ça, tu deviens capitaine de l'équipe nationale, c'est bien. Mais comme là-bas, là, ce n'est pas le mérite. Je ne sais pas sur quoi tu comptes. Dans la vie, là, il y a les balles qui ne nous appartiennent pas. Mais ils seront là un jour pour nous si on a les problèmes. Quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils font, on les regarde, on les observe, on ne dit rien. Parce qu'un jour, on aura besoin d'eux. Surtout dans un système que rien n'est stable. Il faut regarder certaines personnes. Parce que le moment venu, quand tu seras à terre, quand on sera en train de te piétiner, tu auras besoin de leur voix. Petit Tintin. Voilà, les gars, formons nos enfants. Hein. Éduquons nos enfants. Allez, éduquons nos enfants, laissez ça. Éduquons nos enfants à être prêts. Ah, je vous ai dit, non, éduquons nos enfants. Et que même quand les enfants vont à l'école, ils rentrent là. Éduquons-les. Inculquons-les les valeurs. Inculquons-les les valeurs. Parce que si le papa, la maman de ce garçon était vivant, ou bien s'ils sont encore là, on dit quand même, tu veux faire quoi là? Tu veux faire quoi? Tu pars où? C'est un woman, ça. La famille se fait tard déjà. Donc, achetez les produits. Voilà les produits pour la calvitie. Chute de cheveux bas. Il est très milliardaire. Voilà le produit. J'ai vu une vidéo de toi, comment le vide est là, plein là. Il faut arrêter ça. Quand on a l'argent, on évite certaines choses. C'est le pauvre qui a la calvitie. Voilà. Quand tu as les moyens, quand Dieu nous a bénis là,
Il faut entretenir ça. Comment tu veux laisser que le vide? Hein? Donc, il est très milliardaire, voilà le produit. Tu es aux États-Unis. Voilà, j'ai quelqu'un là-bas qui a ça, qui a le stock. J'ai Pasto Sèche, voilà le produit. Voilà, chute de calvitie. Chute, voilà, pour ceux qui ont le problème de chute de cheveux, calvitie et barbe. Voilà, voilà le produit. On a le stock en France, aux États-Unis, au Cameroun. Donc voilà. Quand on dit qu'il faut prendre, il faut acheter même 3 boîtes. Même 4 boîtes, pourquoi pas. Voilà. Tu oins. Là où il y a le vide. Tu oins. Voilà. Donc il est très milliardaire. Moi, ouais, c'est ton grand frère d'un an. Regarde. Tu as dans la calvitie. Moi, je n'ai pas. La dernière fois, tu as dit que tu voulais ça. Voilà la calvitie qui est en train d'augmenter. Voilà. Tu connais que la calvitie rend l'air. Voilà. Voilà le produit pour. L'acide urique, la goutte. Quand tu marches, tu as mal au pied. Le bas des pieds, ça chauffe, ça picote. Voilà, ton pied gonfle. Quand tu appuies, ça. Le creux reste à l'intérieur. Voilà le produit. L'acide urique. On a le stock en France et au Cameroun. Voilà, je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. Voici le produit pour durer sur la femme. Voilà. Tous les hommes qui ont les problèmes d'éjaculation précoce. Super Love Best Seller. Je te conseille ce produit. On a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Voilà. Belgique, Italie, Allemagne, France, États-Unis et Cameroun. Super Love Best Seller. C'est un produit 5 étoiles. Regardez. Mon frère, est-ce que l'éjaculation précoce est la maladie? Non. C'est l'âge et puis voilà, la fatigue, le stress. Tu montes sur l'hangar et puis ça se verse comme le canard. C'est le trop-plein. À un certain âge, on n'a plus trop d'activité sexuelle. Parce qu'on est tellement occupé pour payer ses factures, ses charges. Voilà. C'est normal qu'on a le trop-plein. Voilà. Donc ceci, c'est comme un retardataire. Tu n'es pas malade. Voilà. Fais le premier coup. Tu vas voir que le deuxième coup ne doit même pas sortir. Ça veut dire que tu n'es pas malade. Donc voici un produit. J'appelle ça le coach. Le coach des hommes. Voilà, pour le Mbangala. Voilà. Pour le Mbangala. Donc voilà. Super Love, best-seller. On a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Voilà. Ouais, et le numéro, c'est le plus 237 683 40 97 55. Oui, veuillez me contacter. Contacte-moi à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Voilà. Donc, voilà mon numéro que j'épingle là. Bien sûr, moi-même j'essaie, pourquoi pas. Mon ami, j'ai là 45 ans. Mon ami, j'ai 45 ans. Je me fais accompagner comme les professionnels ont les coachs. Tu peux bien travailler seul quand tu es un sportif professionnel. Mais tu as besoin de coach parce que le coach est là pour t'encourager, pour te galvaniser. J'utilise, oui, bien sûr. Mon ami, à un certain âge, tu ne t'entretiens pas, tu es mal parti. À partir de 40 ans, il y a ce que tu dois faire. Tu vois, je suis en train de consommer des fruits. Bien sûr, je bois le thé. Je fragilise mon ventre pour que le matin, je n'ai pas de problème pour aller aux toilettes. Mais c'est clair. Il faut t'entretenir, mon frère. J'utilise le Super Magic. Super Long, oui, j'utilise. Oui, bien sûr. Parce que tu fais parfois une semaine sans monter sur la femme. Un mois, deux mois. Mais oui, mais pourquoi pas? Tu es occupé avec les factures. Je me fais accompagner, bien sûr. Sinon, elle ne doit pas elle-même jouir. Hein. Puisque la différence entre l'homme et la femme, c'est que quand l'homme vieillit, ok, sa verge lâche. Sa verge lâche. Il a ce qu'on appelle le trop-plein. Il jouit rapidement. Mais la femme, quand elle vieillit, l'orgasme va plus loin. Elle jouit difficilement. Donc maintenant, quand tu prends de l'âge pour faire jouir ta femme qui est aussi en train de vieillir, c'est pas quelque chose de facile. Puisque tu n'as plus la force pour cogner fort. Ah oui. Et pour parfois, tu perds la notion des préliminaires. Hein? Oui, quand on vieillit, on n'a plus le temps pour les préliminaires parfois. Certains hommes n'ont plus le temps là. Voilà. Et puis, voilà aussi les effets néfastes dans les couples. Donc voilà. Donc pour faire juste sa femme, soit tu descends à la cave,
tu fais les préliminaires et maintenant, voilà, voici son rôle parce que tu vas durer sur elle. L'endurance. Voilà. Quand tu as l'endurance sur ta femme, normalement, ok, ça va aller toucher le point G, quoi. Voilà. Donc, je vous présente ceci, le café de Bornéo. Ceci, c'est pour l'éjaculation précoce. Ceci, c'est pour ceux qui ne se lèvent pas, là, qui ne bandent pas, qui ont les problèmes pour se lever. C'est des produits bio, hein, faits à base de plantes naturelles. Ce sont des produits bio faits à base de plantes naturelles, les produits indonésiens. Voici un café, tu le prends une heure de temps avant les rapports. De grâce, de grâce, de grâce. Il faut avoir la femme. Parce que même te masturber, là, ça ne doit pas suffire. Ne prends pas ça si tu n'as pas la femme. C'est un produit naturel, ça ne dérange pas. Mais le problème, c'est que tu seras debout. Donc, il faut avoir la femme que tu vas dormir avec jusqu'au lendemain. Le café de Bornéo. Voilà. Mais petit frère, j'essaye. Tout ce que je vends, j'ai essayé. Parce que j'avais des problèmes. Je vais te cacher quoi. Tu es un enfant, mon ami. Tu es un père. Vous êtes fou. Parle quoi, non? Voilà, le café de Bornéo. Voilà. Donc, dans quelques jours, là, on aura ça en France. On a déjà ça au Cameroun. Donc, je réponds au même numéro que j'ai épinglé là. Plus 237 683 40 97 55. Voici le thé pour les diabétiques. Oui, c'est préventif et curatif. Tu peux prendre ça trois fois par jour. Un matin, un midi, un soir. Voilà. Le thé pour les diabétiques, c'est très bien. Prévenir vaut mieux que guérir. J'ai dit à partir de 40 ans, on ne se laisse plus aller. On se laisse, on se néglige plus. Tu te laisses, tu te négliges, tu es mort en guerre. Donc voilà, Lily Slim. Lily Slim pour perdre le poids. J'avais le gros ventre à l'époque, mais aujourd'hui là, tu me vois avec le ventre, ça sent un peu parce que je viens de manger. Mais à part ça, je n'ai plus le gros ventre. Il y a les sportifs qui ont le gros ventre, bien sûr. Parce que le ventre est le seul muscle qui est difficile à disparaître. Donc tu peux faire le sport, mais tu auras le gros ventre. Donc il faut te faire accompagner. Lily Slim, tu prends trois boîtes. Trois boîtes. Ça va te brûler les graisses. Donc dans quelques jours, on aura le stock aux États-Unis parce que j'ai un partenaire qui a décidé de prendre beaucoup pour faire dans cela. Voilà. Lily Slim. On le vend en paquet de 3 boîtes. On a le stock en France et au Cameroun. Voilà. Je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. Tu veux le prix? Ah, 90 €. 90 euros les trois boîtes. Voilà. J'ai le discount. Je suis venu ici, j'ai signé un contrat avec la société. Donc à l'époque, c'était 150 €. Parce que je ne prenais pas beaucoup. Donc voilà. Donc j'ai signé un contrat. Voilà. C'est la bonne qualité. C'est ce qui est moins cher. Mais tu prends après ça, quand tu laisses, tu reprends encore le poids. Il n'y a personne qui n'a pas été satisfait en prenant Lily Slim. Demandez à Wayalo. À Wayalo qui est là. Demandez à ma soeur Désirée Dimo qui est aux États-Unis. À Wayalo qui est là, elle peut témoigner. J'ai beaucoup de témoignages. C'est que je ne veux pas prendre la photo des gens pour mettre sur la page. Cacher même le visage. Non, ça ne m'intéresse pas. Le retour est positif. D'abord, j'ai plus à gagner, j'ai plus à perdre en gâtant mon nom. Voilà, parce que même pour rien, les gens m'envoient l'argent. Banga Diaspora, j'adore ton combat. Banga Diaspora, j'aime tes vidéos. Voilà 200 000, voilà 500 000, voilà, voilà. Donc, j'ai pas besoin d'escroquer quelqu'un pour vivre. Parce que les gens me donnent l'argent. Mais je dis vrai. Je suis l'un des activistes que les gens donnent l'argent. Mais oui, parce que je fais dans beaucoup de choses. Je fais dans le conseil. Oui, bien sûr. Et quand je donne mes conseils, tu t'en sors. Conseil de couple. Oh. Ma chérie, demande les excuses à ton mari. Mets-toi en genoux. Laisse, ça va passer. Quitte de là, ça ne peut pas marcher. Ça ne marche pas avec celui-là. Avec la lui, si ça ne marche pas. Il a envoûté. Avec lui-là, il n'y a pas d'avenir. Quitte de là. Tu quittes. Là, on me paye pour ça. Donc voilà. Moi-même, j'ai mes problèmes. Hein. Voilà. Donc, il y a les produits, les gars. Voici le thé. Voici un détox. Voici un thé détox. Voilà. Tu prends ça une heure de temps. Tu prends ça avant de dormir. Après ton repas, quand tu veux dormir. Il faut prendre ça avec 20 heures, tu dors. Tu vas voir ce qui va sortir de ton ventre. Ça va te nettoyer tous les cacas qui sont dans ton ventre. Là. Donc, je te conseille d'associer ça
les deux avec Lily Slim. Tu prends, tu vas voir. Alors que tu prends ça à la fin de Lily Slim, ou bien tu prends ça au départ. Voilà. C'est un thé détox. Voilà. Voici un thé pour le cancer. Voilà. Voilà, c'est préventif et curatif. C'est un thé pour les cancers. Ici, c'est avancé, non? Voilà, je vais faire une vidéo là que j'avais pris. Voilà. Vous allez voir les champs de thé en Indonésie. Au Bangladesh, Indonésie. Voilà, ils ont des grands champs de thé. Voilà, le thé pour les diabétiques. Pour le cancer, tu entres à l'intérieur, tu vois les animaux qui sont en train de manger. Quand l'animal mange une herbe, la majorité du temps, comme les histoires, comme les thés, comme ça, ils se soignent. Donc, il y a le thé pour le cancer. Donc, voilà, je vous conseille. Vous m'appelez. Appelez-moi au plus 237 683 40 97 55. Voilà, voilà les femmes qui ont les menstrues douloureuses. Là. Hein? Si tu as les menstrues douloureuses, voilà, tu mets ça sous le bas de ton ventre. Quand tu saignes, les menstrues douloureuses, préventif et curatif. Donc voilà. Et vous pouvez m'appeler pour les conseils. Si tu veux investir dans un petit business, voilà, comme tu travailles, quel que soit le pays où tu te trouves, on s'entend, voilà. Et tu me dis quel est ton projet. Et maintenant, je vais te conseiller dans quoi tu peux investir. Voilà. À partir de 1500 euros, je te conseille. Tu me payes, hein. Tu me payes. Voilà. Donc, si tu as 1500 euros, c'est 10%. Alors que tu vas me donner 150 euros, je te conseille pour le projet. Si possible, je peux aussi t'aider à vendre. C'est-à-dire, tu n'es pas obligé de faire ce que je fais ou bien ce que l'autre fait. Il y a beaucoup de choses à faire. On échoue souvent parce qu'on veut faire ce que l'autre est en train de faire. Alors que ce n'est pas compatible à nous. Les 150 euros, là, les 10% que tu me donnes, je te conseille. Parce que je vais te poser les questions. Voilà. Pour connaître tes capacités. Voilà. Comme moi, je voulais ouvrir le bar. Parce que mes amis avaient les sinacs à l'époque. Mais ça n'a pas marché. Parce que j'aime dormir dans la nuit. J'aime être à la maison. Je ne connais pas moi la nuit. Voilà. Je ne connais pas la nuit. Je suis dehors dans la nuit. Pourquoi tu me vois dehors dans la nuit? Je dois dormir en journée. Et c'est par rapport à quelque chose. Donc, ça ne pouvait pas marcher avec moi. Et les choses de la nuit, il faut être là pour contrôler tout et tout. Il faut être quelqu'un qui se lève parfois. Tu sors, tu surprends les gens. Ça n'a pas été facile. Donc, voilà. Donc, voilà, il y a des business. Tu as besoin du conseil. Tu as 1500 euros, tout et tout. Ne crois pas que ta vie peut changer avec ton salaire. Non. Voilà, il faut avoir quelque chose à côté. La vie d'aujourd'hui, c'est la tête. Et ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Quand je parle là comme ça, les sages m'appellent. Banga, vraiment, tu as dit telle chose, telle chose, telle chose. Voilà, j'ai comme ça. Plus tu as beaucoup d'argent, plus on ramasse beaucoup, ok? Et tu vends, tu gagnes plus d'argent et tu fais moins d'économies. Tu fais des économies sur le transport. Comme j'ai dit l'autre jour, parfois tu prends de 0 à 5 kilos. C'est le même prix. Ça veut dire que si tu prends 3 kilos, tu es perdant. De 5 à 10 kilos, le transport, c'est le même prix. Donc, tu vois un peu. Donc, c'est souvent mieux. Tu te concentres, tu prends 10 kilos. Peut-être tu payes 300$ de transport. Tu profites. Mais oui. Au lieu de prendre 2 kilos, tu te concentres, tu prends 5 kilos. Tu payes peut-être 200. Tu payes peut-être 150$ de transport. Tu profites. La vie, il ne sert à rien de courir pour ne pas arriver. Il faut aller doucement. Prends ton temps. Il faut mieux tu payes pour avoir les bons conseils que de faire à la va-vite sans connaître où tu vas. Donc voilà. Donc tu peux prendre les produits depuis l'Indonésie, surtout les produits naturels. Ils sont très avancés. Et personne n'est dessus, hein, sauf les petits sorciers qui dérangent. Voilà. Bon, en fait, j'ai eu trop de problèmes sur les mèches quand j'ai aidé les Camerounais, mais depuis j'ai arrêté, je suis fatigué. C'est trop de maux de tête. Alors, voici un Viagra naturel. Voilà. Voici un Viagra naturel. Un Viagra naturel. OK? Donc, vous me contactez à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97. Mais j'ai épinglé le numéro, non? Monsieur Tialu. J'ai épinglé mon numéro tout à l'heure, non, les gars?
Hein, j'ai épinglé mon numéro. Ok, mon numéro, j'épingle encore, ok? Plus 237 683 40 97 55. Ok? Plus 237 683 40 97 55. Ok. Voilà mon numéro que j'ai épinglé. Une fois de plus, hommage à la pirogue de Mbanga, la légende. Le numéro est sur la page, bien sûr, Chris Bond. Les gens dérangent. Je ne sais pas pourquoi les gens dérangent comme ça. Tu veux un numéro qui est sur la page. C'est terrible quand même. Il y a le plus 62, 812, 125, 244, 98. Voilà un numéro que tout le monde connaît sur la page. Il y a le numéro MTN qui est le 6, qui est le plus 237, 683, 40, 97, 55. Donc voilà. Les gens dérangent, les gars. Les gens dérangent, franchement. Chris. Les réseaux sociaux, c'est bizarre quand même. Et souvent, tu penses que la personne blague. Il ne blague pas parce qu'il ne connaît rien, il ne comprend rien. C'est pas. Il y a des gens qui ont Facebook, mais il ne comprend lui rien. Même moi-même, j'ai compris les réseaux sociaux, ça fait peut-être 10 ans. Mais je me suis vite adapté. Je me suis vite adapté. Mais il y a certains qui sont là. Quelqu'un t'écrit en inbox, quelqu'un t'écrit. Sur Messenger. Mais alors qu'il y a le numéro sur la page. Au fait, c'est avec ça que tu comprends que nous sommes différents. Et c'est avec cette différence-là qu'on va construire le monde. Voilà, parce que si tout le monde comprenait, c'est qu'on ne dirige personne. Parce que c'est que tout le monde est sage. C'est ce qu'on apprend à personne, en fait. Avec le temps, tu comprends le monde. Que voilà pourquoi il y a les leaders. Que voilà le pourquoi il y a le mal, il y a le bien. Non, c'est vrai. Il y a des gens de nature. Tu vois une belle femme, mais elle ne comprend rien. Elle ne sait rien faire à part sa beauté. Tu vas faire comment? Elle ne comprend rien. Il y a des femmes, tu l'achètes la voiture, elle ne connaît pas conduire. Ah oui, elle ne connaît pas conduire. Tu l'offres tous les luxes, elle ne connaît pas utiliser. Elle regarde. Donne à quelqu'un d'autre, jamais. Ça reste là. Ça perd sa valeur, la poussière sur ça. Elle ne porte pas. C'est bizarre quand même. Hein? Vivons seulement, les gars. Big up à tout le monde. Bonne soirée. Du courage. Seul le combat libère. I love you.